Coucou tout le monde, bienvenue sur Vieille chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priyar et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans la semaine de notre étude de Vieille chez moi. Étude qui est basée sur le Nouveau Testament et nous devions étudier les chapitres 26 de Matthieu, Marc chapitre 14 et Jean chapitre 13. À partir de maintenant et pendant quelques temps, nous allons voir les derniers événements qui précèdent la crucifixion de notre Sauveur Jésus-Christ. Cette semaine, nous voyons notamment le dernier repas avec les disciples. Nous n'entrerons pas en profondeur sur les autres événements qui sont décrits dans ces chapitres parce que nous allons, dans les semaines à venir, décortiquer chacune de ces étapes ensemble de manière à pouvoir retirer le maximum d'enseignements. Dans notre première vidéo, nous avons parlé de l'importance de l'ordonnance de la Sainte-Cène que le Maître lui-même a instituée auprès de ses disciples avant de les quitter. Cette ordonnance sacrée que nous renouvelons chaque semaine et ce qu'elle nous apporte et quelle est sa signification et comment faire en sorte que cette ordonnance nous enseigne de semaine après semaine. Nous avons vu également où je vous ai invité à vous poser la question, à vous remettre en question et à demander au Seigneur, est-ce moi Seigneur, plutôt que de juger les autres, apprendre à se juger soi-même. Nous allons donc continuer notre étude et j'aimerais revenir en particulier sur un petit épisode qui, parfois, à mon humble avis, est en quelque sorte zappé ou on ne lui accorde pas suffisamment d'importance. Dans Marc chapitre 14, qui nous raconte la dernière scène du Sauveur avec ses disciples, on fait également place à une magnifique scène où une femme entre dans une maison de Béthanie lors de la fête et va oindre le Sauveur Jésus-Christ. Non seulement son acte préparait Jésus pour son ensevelissement à venir, mais aussi elle semblait avoir le témoignage qu'il était le roi oint et le sauveur du monde. Le sauveur a dit de cette sœur aimante qui le servait, elle a fait une bonne action, elle a fait ce qu'elle a pu. Cette femme était venue avec son vase d'albâtre en pierre fragile et de parfum. Et cela avait énormément de valeur et pouvait représenter parfois les économies de toute une vie d'une personne. Et une fois ouvert, il devait être utilisé. Et à ce moment-là, beaucoup se sont demandé pourquoi est-ce qu'elle gaspillait ça? Pourquoi un tel gaspillage? Elle aurait pu le vendre pour gagner davantage d'argent. Beaucoup pensaient qu'elle n'aurait pas dû le faire, qu'ils estimaient que c'était vraiment du gaspillage. Cependant, cette femme avait compris que c'était les derniers moments du Sauveur. Et elle a voulu chérir ses dernières paroles, ses dernières conversations, ses dernières relations qu'elle avait avec lui, en lui apportant ce qu'elle avait de mieux. Elle a fait ce qu'elle pouvait, c'est-à-dire apporter ce qu'elle avait gardé de précieux toute sa vie. Elle songeait à sa mort. Et pour avoir apporté ce qu'elle avait de plus précieux, certains disaient que c'était sûrement pour attirer l'attention des autres ou pour avoir quelque chose en retour. Mais très peu avaient compris qu'elle le faisait afin de se souvenir de sa mort future, parce qu'elle savait ce qu'il allait faire pour elle. Que pouvait-elle donner pour exprimer sa gratitude? Eh bien, ce qu'elle avait de plus précieux, c'est-à-dire ce vase d'albâtre et ce parfum. Chers frères et sœurs, qu'importe ce que les personnes diront, certains penseront que nous servons pour chercher à attirer l'attention ou les louanges de nos dirigeants ou des autres, ou que nous attendons quelque chose en retour. Quoi que ces personnes disent, chers frères et sœurs, continuons de donner le meilleur de nous-mêmes et de ce que nous avons en souvenir de son amour infini et de son sacrifice pour nous, en donnant ce que nous avons de plus précieux. Notre temps, nos dons, nos talents, parce que lui aussi nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire sa vie. Pour cette jeune femme, c'était son moment de cette scène, pour se souvenir de lui. Et c'est ce que nous faisons chaque dimanche en prenant la Sainte-Cène, n'est-ce pas?
pour nous souvenir de lui. Apportons-nous notre meilleur à chaque réunion? Qu'apportons-nous dans notre vase d'albâtre? Quel précieux apportons-nous? Que devons-nous arrêter de faire ou que devons-nous commencer à faire? De quoi lui sommes-nous reconnaissants? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour lui montrer notre profonde gratitude? Que sommes-nous disposés à abandonner? Lorsque nous nous ouvrons à l'esprit, nous apprenons les voies de Dieu et nous comprenons sa volonté. J'ai découvert que pendant la Sainte Cène, que j'appelle le cœur du sabbat, après avoir prié pour le pardon de mes péchés, il est instructif pour moi de demander à mon Père Céleste, « Père, y a-t-il quelque chose de plus ?» Lorsque nous sommes soumis et calmes, notre esprit peut être orienté vers quelque chose d'autre que nous avons besoin de changer. Une chose qui limite notre capacité de recevoir des directives spirituelles, voire même la guérison et de l'aide. Avec le temps et graduellement, chers frères et sœurs, nous recevons gracieusement sa force et ses directives, ce qui nous mène peut-être à aller souvent au temple, ou bien à étudier plus profondément le sacrifice expiatoire du Sauveur, ou à demander conseil à un ami, un évêque, voire même un médecin. Notre cœur commence à guérir lorsque nous nous soumettons à Dieu et que nous l'adorons. La véritable adoration commence lorsque notre cœur est sincère devant le Père et le Fils. Dans quel état se trouve notre cœur aujourd'hui? Paradoxalement, pour avoir un cœur guéri et fidèle, nous devons d'abord lui permettre de se briser devant le Seigneur, qui a dit « Et vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. » Le résultat du sacrifice de notre cœur ou de notre volonté au Seigneur est que nous recevons les directives spirituelles dont nous avons besoin. Lorsque nous avons une compréhension croissante de la grâce et de la miséricorde de notre Seigneur, nous découvrons que notre cœur obstiné se fissure et se brise avec gratitude. Alors nous nous tournons vers lui, aspirant à prendre le joug du Fils unique de Dieu dans la chair. Lorsque nous tournons notre cœur brisé vers lui et que nous prenons son joug, nous recevons une espérance nouvelle et d'autres directives par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Lorsque nous offrons notre cœur brisé au Sauveur Jésus-Christ, il accepte notre offrande. Il nous accepte à nouveau. Quelles que soient les pertes, les blessures et les rejets que nous avons subis, sa grâce et sa guérison sont plus fortes que tout. Lorsque nous sommes vraiment unis au Sauveur, nous pouvons dire avec confiance, tout finira par s'arranger. Chers frères et sœurs, je trouve vraiment dommage qu'aujourd'hui, lorsqu'un frère ou une sœur partage leur talent, partage leur témoignage, partage leur engagement, que l'on ait souvent de mauvaises pensées, et que nous nous trouvons à dire, regarde un peu celui-là, regarde un peu celle-là, voilà encore quelqu'un qui veut se mettre en avant. Ou bien, on s'imagine que ces personnes mettent en place ces merveilleux programmes, ces merveilleux discours, ces merveilleuses activités pour s'attirer les louanges des hommes ou des femmes. Chers frères et sœurs, vous êtes-vous seulement posé la question pourquoi réellement autant d'engagement, autant de sacrifices, autant de temps accordé pour ces choses?
Et si vous les regardez avec la perspective de notre Sauveur Jésus-Christ, vous comprendrez, en tout cas je l'espère, que ces personnes ne font point ces choses pour s'attirer des louanges des hommes, mais pour exprimer leur gratitude et leur reconnaissance pour le don infini de notre Sauveur Jésus-Christ et pour sa grâce et sa miséricorde qu'ils ont eu la chance et le privilège d'en faire l'expérience. Alors, plutôt que de trouver les mauvaises raisons pour lesquelles certaines personnes s'engagent corps et âme dans leurs appels, posons-nous la question: que fais-je aujourd'hui pour montrer ma gratitude et ma reconnaissance à mon Sauveur? Est-ce que, comme cette femme, j'apporte ce qu'il y a de meilleur en moi, de meilleur chez moi, de meilleur de tout ce que j'ai, pour exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à mon Sauveur? Si la réponse à cette question, chers frères et sœurs, est oui, alors je vous félicite et je vous encourage à continuer à exprimer votre amour et votre gratitude vis-à-vis de notre Sauveur de cette façon. Mais à tous ceux dont la réponse est non, chers frères et sœurs, cessons de juger les autres et posons-nous la question: que dois-je faire de plus, Seigneur? Et faisons-le de tout notre cœur, par amour pour lui. Et n'ayons jamais honte, quoi que l'on dise, d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Même si, comme ses disciples et toutes ces personnes qui étaient présentes et qui ont vu cette femme briser ce vase d'albâtre et répandre le parfum sur le Sauveur, qui ont dit: mais elle aurait pu gagner plus d'argent avec ça. Sa vie aurait pu être meilleure si elle n'avait pas gaspillé ce vase et ce parfum. Quelles que soient les choses que les personnes pourront dire autour de vous, elle aurait dû, il aurait dû, pourquoi? Ne cessez jamais d'aimer le Seigneur comme vous l'aimez, en le servant de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Et en faisant le sacrifice de tout ce qu'il vous a donné et de tout ce qu'il vous donnera comme bénédiction dans cette vie. Parce que sachez, chers frères et sœurs, que quelles que soient nos offrandes, elles ne seront jamais assez pour rembourser la dette que nous avons vis-à-vis de lui. Alors, même si vos actions sont mal interprétées ou que vos actions encouragent les personnes à les étouffer, sachez qu'il y en a un qui voit vos sacrifices, votre engagement, votre travail. Et il vous bénira pour ces choses. Mais ne baissez jamais les bras. Continuez d'aller de l'avant, de le servir et de l'aimer comme vous le faites, si ce n'est plus. Il vit et il nous aime et il a besoin de chacun d'entre nous. Les apôtres continuent de se débattre avec l'idée de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand ou le plus important parmi eux. Nous apprenons de Luc chapitre 22 verset 24 qu'il y avait eu une querelle entre eux pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand.
Vous savez, notre monde n'est pas si différent. Nous aussi, nous vivons dans une culture obsédée par l'idée de rang, de position et de statut. Nous évaluons, classant constamment les choses et les personnes. Les meilleures listes, les remises de prix, les championnats, les hiérarchies, tout cela sont toutes ces choses qui sont autour de nous. C'est en fait considéré comme une noble ambition de vouloir être responsable ou d'avoir une autorité sur les autres. Et les apôtres ici tombent également dans cette tendance trop humaine à vouloir classer et à catégoriser. Alors Jésus, sachant qu'il ne serait pas avec eux beaucoup plus longtemps, a profité de cette occasion pour leur enseigner et nous enseigner la vraie grandeur. Et il va leur enseigner ce principe avec une leçon de choses, une démonstration visuelle de la grandeur céleste. Regardons le maître enseignant au travail. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans Jean chapitre 13, les versets 4 à 5? Il se lève du souper et dépose ses vêtements. Il prit une serviette et se ceignit. Après cela, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Que fait-il? Il leur lave les pieds. À l'époque de Jésus, le lavement des pieds était l'œuvre d'un serviteur ou d'un esclave. Et comme vous pouvez certainement l'imaginer, avec tout ce temps passé à marcher sur les routes poussiéreuses, en portant des sandales sous la chaleur du Moyen-Orient, cela n'aura probablement pas été le plus agréable des travaux. Jésus va amplifier cette image en mettant de côté ses vêtements et en mettant une serviette autour de sa taille. En faisant cela, il prenait également l'apparence d'un serviteur, parce que c'est ainsi qu'un serviteur ou un esclave pouvait généralement apparaître à l'époque du Christ. Et puis il va commencer à verser l'eau et à laver un par un les pieds de chacun des apôtres, y compris Judas. Et j'imagine que cela aurait été un peu déconcertant pour les apôtres. Cet homme qu'ils considéraient non seulement comme leur maître, mais comme le Messie, le Fils même de Dieu, le Sauveur accompli pour eux cette tâche en quelque sorte subalterne et dégradante. Comme la réaction de Pierre dans les versets 6 et 8, lorsque Jésus arrive vers lui, Pierre lui demande ce qui, j'en suis sûr, aurait été d'un ton incrédule. Seigneur, tu me laves les pieds, comme pour dire, mais non, c'est pas possible, ce n'est pas juste, ça devrait être l'inverse. Tu es bien plus grand que moi. Et puis, le Sauveur va refuser très catégoriquement et lui dit, tu me laveras jamais les pieds. Et Jésus va lui dire, je ne te lave pas, si je ne te lave pas, tu n'as aucune part avec moi. J'aurais vraiment aimé être là pour voir l'expression du visage de Pierre, mais j'imagine ce regard résolu et déterminé qui se fond dans une préoccupation, une inquiétude angoissée. Et il renverse complètement sa résolution en étendant ses mains et en disant, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Comme s'il disait, si c'est ce qu'il faut, alors je veux tout et plus. Dans mon esprit, je peux voir le Sauveur sourire à Pierre et avec ses yeux aimants et rassurants de sa parole, lui dire, celui qui a lavé n'a besoin que de laver ses pieds, mais il est parfaitement propre. C'est bon, Pierre, tes pieds suffisent. Je pourrais vous demander si ces versets contiennent des leçons pour chacun d'entre nous. L'attitude de Pierre est-elle révélatrice pour nous? Ou la réponse du Sauveur. Quelques-unes de mes propres pensées ici, chers frères et sœurs. J'aime beaucoup l'attitude de Pierre. Pierre a une attitude de celui qui veut toujours faire un effort supplémentaire. Parfois, nous pouvons souffrir du syndrome du « je suis assez bon », lequel est le minimum requis,
Jusqu'où puis-je aller avant de franchir la ligne? Une sorte d'approche du disciple. Et Pierre, cependant, veut toujours faire plus. Il veut être plus. Et c'est quelque chose que j'admirais chez lui. Je souhaiterais être comme Pierre. J'aimerais être le genre de disciple qui dirait, lave non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Cependant, je pense que la réponse de Jésus à Pierre a une signification profonde. Si je ne te lave pas, tu n'as aucune part avec moi. Chers frères et sœurs, nous devons laisser Jésus nous laver. Parfois, nous pourrions penser que nous pouvons le faire par nous-mêmes, que nous pouvons gagner notre propre salut, ou que nous ne sommes pas dignes d'être nettoyés par le Sauveur. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Tout au long de notre vie, alors que nous nous salissons les pieds, lorsque nous prenons de mauvais chemins, lorsque nous marchons dans la boue et la saleté du monde, nous devons être suffisamment humbles et disposés à tendre nos pieds vers le Christ et à lui permettre de nous laver par le pouvoir purificateur de son expiation et de son sacrifice. Après que Jésus aura terminé, il voudra s'assurer que les apôtres et nous tous recevions le message. En fait, il demande même au verset 12, savez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous ce que je viens de faire? Et il va leur donner ainsi qu'à nous tous la réponse très directe et clairement. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 13 et versets 12 à 17, nous découvrons la leçon que Jésus voulait que l'on tire de cette histoire. Nous devons aussi nous laver les pieds les uns les autres. Le Sauveur veut que nous suivions son exemple. C'est ainsi qu'il veut que nous traitions les uns les autres. Oui, il est notre Maître et Seigneur, mais il souhaite que nous considérions ce qu'il vient de faire pour nous. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni celui qui est envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Lorsque l'on revient à Luc chapitre 22, où Jésus, dans les versets 25 à 27, leur dit « Les rois des gentils dominent sur eux, et ceux qui exercent une autorité sur eux sont appelés bienfaiteurs. Mais vous ne serez pas ainsi. Mais celui qui est le plus grand parmi vous, qu'il soit comme le plus petit, et celui qui est chef comme celui qui sert. Car qui est plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui mange à table? Mais je suis parmi vous comme celui qui sert. » En d'autres termes, dans le monde, la grandeur est souvent mesurée par le nombre de personnes qui nous servent, le nombre de personnes sur lesquelles nous avons autorité, le nombre de personnes qui travaillent pour nous ou sous nous et que nous sommes supérieurs ou plus talentueux que ces personnes ou que nous pouvons faire plus d'argent qu'eux. Mais dans le royaume de Dieu, la véritable grandeur ne se mesure pas au nombre de personnes qui nous servent, mais au nombre de personnes que nous servons. L'humilité la plus profonde ne se voit pas lorsqu'une personne d'un rang manifestement inférieur reconnaît quelqu'un d'une plus grande noblesse. Une profonde humilité est mise en évidence lorsqu'un être d'un rang supérieur daigne avec amour servir ceux d'un rang inférieur. Jésus nous montre l'exemple parfait de condescendance, d'humilité, de service. Son royaume fonctionne différemment de celui du monde. Est-ce vrai dans l'Église? Dans nos quartiers, quels postes sont généralement considérés comme ceux qui ont le plus d'autorité ou de grandeur? L'on pourrait dire l'évêque, le président des anciens, la présidente de la société de secours. Mais alors, qui consacre généralement le plus de temps et d'efforts au service des autres dans notre paroisse? Quels sont les appels les plus
les plus grands, si l'on peut dire. Et on dira probablement l'évêque, le président, la présidente de la société de secours, le président du collège des anciens, que ce sont eux qui servent le plus. Mais dans l'Église en général, qui est considéré comme le plus grand, qui a la plus haute autorité dans l'Église dans son ensemble? On dira bien sûr le prophète, les apôtres, les autorités générales et les présidences des organisations générales. Mais qu'imaginez-vous que la plupart de ces personnes de leur âge font à ce stade de leur vie? Est-ce qu'ils vont jouer au golf? Est-ce qu'ils partent en vacances? Est-ce qu'ils vont pêcher, se détendre, passer du temps avec leurs petits-enfants et vivre une vie de retraite? Non, bien sûr que non. Que font-ils à la place? Ils tiennent des réunions, ils prennent des décisions, ils voyagent, ils parlent, ils consacrent des temps, ils enseignent, ils préparent des discours. Regardez le président Nelson, chef régisseur, il a 98 ans. Et que fait-il? Il est toujours en service. Ils servent tous et ce sont des exemples parfaits de Doctrine et Alliance, section 123, verset 13. C'est pourquoi nous ne devrions gaspiller et épuiser nos vies en mettant en lumière toutes les choses cachées des ténèbres. Les personnes en position d'autorité dans l'Église gaspillent et épuisent certainement leur vie en apportant la lumière aux autres ou en lavant les pieds, comme le Sauveur l'a fait. Et enfin, ici, dans ces versets, Jésus va nous faire à tous une promesse si nous le faisons. Si nous cherchons à remplir nos vies de service envers notre prochain, quelle est la promesse de Jésus à ceux qui sont prêts à laver les pieds des autres? Regardez le verset 17. Si vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les faites. Cela nous rendra tout simplement heureux. Si les hommes sont pour avoir de la joie, alors Jésus vient de nous révéler l'un des plus grands secrets pour trouver la joie, chers frères et sœurs. Le service. La véritable grandeur, c'est servir. Et servir nous apporte le bonheur. La solution à la querelle, à la tyrannie, à la domination injuste est un humble service. Avez-vous déjà ressenti le bonheur qui vient du service? Je vous invite à partager ce qui s'est passé ou ce que cela vous a fait ressentir avec les membres de votre famille ou lors de notre prochaine réunion de témoignages. Qui est quelqu'un que vous connaissez et qui, selon vous, a montré qu'il comprenait vraiment ce principe de laver les pieds? Et que pourriez-vous faire cette semaine pour suivre l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ de cette manière? En ce qui me concerne, il y a un dirigeant dans ma vie que j'aime beaucoup et que j'ai toujours admiré pour son exemple et son service. Et il s'agit de mon président pieux, président Mongienne. Chaque fois que nous avons eu des activités de paroisse ou de pieux, il faisait toujours partie des premières personnes à être là pour préparer les lieux, installer les chaises, brancher la sono, brancher les caméras. Et il faisait toujours partie des dernières personnes à quitter les lieux, parce qu'il nettoie, passe la serpillière, essuie les vitres, range les chaises. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup admiré de la part de mon président pieux. Il est pour moi l'exemple même du service. Beaucoup de dirigeants, malheureusement, estiment par leur statut que ce sont les autres qui doivent les servir. Mais président Mongien m'a enseigné qu'il était là, au service des autres. Et je lui suis profondément reconnaissante pour l'exemple parfait qu'il me donne, par ses simples services, sans jamais rouspéter, sans jamais critiquer. Je sais qu'il est une personne qui s'efforce de suivre les pas du Sauveur et je me souviens d'un discours de son épouse qui a témoigné qu'il aimait Dieu. L'attitude pleine de compassion de Jésus est ancrée dans la charité, c'est-à-dire son amour pur et parfait, qui est l'essence de son sacrifice expiatoire. La compassion est une caractéristique fondamentale des personnes qui s'efforcent d'atteindre la sanctification. Et cette qualité divine est interdépendante d'autres vertus chrétiennes, comme celle consistant à pleurer avec ceux qui pleurent et à faire preuve d'empathie, de miséricorde
et de gentillesse. Le fait, chers frères et sœurs, d'exprimer de la compassion est en réalité l'essence même de l'évangile de Jésus-Christ et la preuve évidente de notre proximité spirituelle et émotionnelle avec le Sauveur. De plus, cela montre le niveau d'influence qu'il a sur notre vie et prouve l'étendue de notre esprit. Il est instructif d'observer que les actes de compassion de Jésus n'étaient pas occasionnels ou à la manifestation obligée d'une liste de tâches à accomplir, mais l'expression quotidienne de son amour pur envers Dieu et ses enfants et de son désir constant de les aider. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous nous efforçons intentionnellement d'avoir une attitude empreinte de compassion dans notre mode de vie, telle que celle montrée par le Sauveur, nous devenons plus sensibles aux besoins d'autrui. Grâce à cette sensibilité accrue, des sentiments d'intérêt véritable et d'amour imprégneront chacune de nos actions. Le Seigneur reconnaîtra nos efforts et il nous bénira certainement en nous donnant des occasions d'être des instruments entre ses mains pour adoucir les cœurs et apporter du soulagement aux personnes aux mains languissantes. La prochaine fois que nous serons tentés de laisser notre ego prendre les rênes, la prochaine fois que nous nous retrouverons à nous disputer pour savoir qui est le plus grand, la prochaine fois que nous commencerons à laisser nos propres intérêts prendre le pas sur ceux de nos semblables, puissions-nous nous souvenir de cette image du Sauveur, le plus grand de tous, s'agenouillant et lavant les pieds de ses apôtres. Mes chers frères et sœurs, je témoigne qu'en nous efforçant d'inclure l'exemple de compassion du Sauveur dans notre vie, notre capacité de louer les vertus de nos voisins augmentera et notre instinct naturel de juger leurs imperfections diminuera. Notre communion avec Dieu augmentera et notre vie sera certainement plus douce et nos sentiments plus tendres et nous trouverons une source sans fin de bonheur. Nous serons connus comme des artisans de paix, comme nous l'a enseigné Président Nelson, dont les paroles sont douces comme la rosée d'un matin de printemps. Je prie pour que nous devenions plus longanimes et compréhensifs envers nos semblables, et que la miséricorde du Seigneur, d'une manière parfaitement douce, apaise notre impatience envers leurs imperfections. C'est l'invitation que le Sauveur nous lance. Et je témoigne qu'il vit. Il est le modèle parfait d'une vie de disciple miséricordieux et patient. Chers frères et sœurs, la Sainte-Seine nous donne un moment où vivre une véritable expérience spirituelle en réfléchissant au pouvoir rédempteur de l'expiation du Sauveur. Plus nous réfléchissons à l'importance de la Sainte-Seine et plus nous en comprenons le sens et le caractère sacré. C'est ce qu'un père âgé de 96 ans a exprimé quand son fils lui a demandé « Papa, pourquoi vas-tu à l'église? Tu ne vois plus, tu n'entends plus, tu as du mal à te déplacer. Pourquoi vas-tu à l'église ?» Ce à quoi le père a répondu « Pour la Sainte-Seine, j'y vais pour prendre la Sainte-Seine. » Alors, chers frères et sœurs, puissions-nous aller à la réunion de Sainte-Seine, préparés à vivre une véritable expérience spirituelle, une sainte communion et une régénération de l'âme. Je sais que notre Père Céleste et notre Sauveur vivent. Je suis reconnaissant de la possibilité que nous donne la Sainte-Seine de ressentir leur amour et l'esprit. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Maintenant, vous pourriez vous demander peut-être pourquoi est-ce que je ne vais pas parler du principe aimez-vous les uns les autres qui apparaît vers la fin du chapitre. Nous avons parlé un peu de ce principe à travers l'exemple du sauveur. Mais thématiquement, je pense que cette pensée est beaucoup plus liée au bloc d'écriture de la semaine prochaine que nous allons continuer et commencer à étudier. Lorsque nous allons découvrir que l'amour va être un objectif majeur du chapitre 14 à 17 du livre de Jean. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et surtout restez à l'écoute. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. Cherchez à être les plus grands en servant les plus petits. À très bientôt. Bye!